Bonjour à tous, c'est Pyrux, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'appelle les propositions de jeux de manga. Comme vous le savez, pour la vidéo du 7 février, j'ai expliqué que ma partie Bleach serait effacée, ou plutôt remplacée, à cause des droits d'auteur, par des jeux manga, avec lesquels je pourrais justement filmer, etc. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que vous choisissiez vos jeux que vous voulez que je fasse, sachant que j'ai déjà fait Bleach Soul Resurrection, on va dire en jeu, parce que c'est un jeu qui vient de Bleach. Bleach, c'est un manga. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me dites ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'un jeu de manga, pour être plus précis, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple, si vous lisez un certain manga, il y aura sûrement un jeu qui aura été fait, même si peut-être pas traduit, mais il aura été fait sur DS, sur je sais pas quel support. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me dites trois jeux manga que vous voulez que je fasse. Trois jeux sur n'importe quel support. N'importe quel support, je dis tout ce qu'il faut. Sur PSP, j'ai la PSP, donc je peux faire des choses à peu près illégales pour choper le jeu. Sur PS3, ben, j'ai la PS3, donc c'est bon. Sur PC, c'est aussi possible. Donc DS et tous les autres trucs, c'est aussi possible. Et tout ce qui vient avant, c'est encore plus possible, vu que je pourrais utiliser les émulateurs. Donc dites-moi, quel jeu vous voulez que je fasse? N'importe quel jeu. Donc ça peut être sur Dragon Ball, ça peut être sur Naruto, sur Bleach, sur One Piece. One Piece. Je peux vous faire du One Piece, hein, si je veux. D'ailleurs, ça risque d'être marrant si je vous le fais. Je peux aussi vous faire sur n'importe quel autre manga. Là, j'ai dit les principaux, mais il y a, je sais pas moi, les Gundam, par exemple. Ils existent aussi en jeu vidéo. Et je peux également vous le faire en japonais, en anglais, ou en français. Enfin, les trois langues. Toutes les langues, je peux le faire. Donc ça veut dire que vous choisissez vraiment le jeu que vous voulez que je fasse. Personnellement, par exemple, si vous choisissez Death Note, qui est aussi un manga qui existe sur un jeu DS, je crois, trois jeux DS, mais uniquement en japonais, ce sera un peu plus compliqué vu que c'est des jeux d'énigmes et en japonais c'est un peu chaud. Par contre, si vous trouvez des mangas qui peuvent être sympas, même si c'est en japonais, vous me le dites et je le fais. Donc, c'est vrai que j'avais commencé de faire un Bleach sur PSP, mais vu que j'avais pas trop le temps, et en plus à cause du partenariat, j'ai tout effacé, et puis en même temps, j'ai pas trop regardé ce que j'effaçais, du coup, tout ce qui était Bleach, j'ai effacé, même les let's play, même si j'ai pas vraiment commencé, à part le Soul Resurrection, que j'ai gardé précieusement. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Sur PS3, j'ai les Dragon Ball Raging Blast, le 1 et le 2, si jamais. Donc voilà, j'ai l'HDPVR, si jamais aussi, donc j'ai tout ce qu'il faut. Dites-moi juste quel jeu vous voulez. Citez-moi trois jeux tout simplement, que vous voulez que je fasse sur n'importe quel support, je vous le répète, que ce soit du Naruto, du Bleach, du One Piece, n'importe quoi, dites-le moi, et je vous dirai en fait, dès que je rentre, parce que c'est vrai que là je ferai la vidéo, je serai déjà en France, en vagabondage, dès que je rentre de la France, je vous ferai donc un état des lieux, et je vous dirai quel jeu a été choisi, ou quels deux jeux ont été choisis pour que je les fasse en let's play, en découverte, etc. Donc je vous laisse choisir. Donc je répète, trois jeux, n'importe quel support, n'importe quelle langue, faites-vous plaisir, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Donc voilà. Donc j'ai tout dit, donc je vous souhaite... Ah oui, toutes les réponses sont faites, il faut écrire dans les commentaires. Hein. Comme ça, si vous écrivez vos trois jeux que vous voulez, le deuxième qui commentera, il saura que vu qu'il y a déjà le premier, il peut aussi jamais changer, etc. Donc voilà, écrivez dans les commentaires vos trois choix, comme ça tout le monde voit vos choix, etc. Donc voilà, c'est parfait. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, de soirée ou de matinée. Et je vous dis donc à la prochaine pour, j'espère, un jeu manga qui sera vraiment cheat. Allez, ciao ciao à tous, c'était Pyrux.